Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2 des calendriers de l'Avent. Je vous ai attendu pour déballer mes petites surprises. Je ne sais pas encore si vous aurez une vidéo rien qu'avec cette journée ou bien si je rassemblerai plusieurs jours du calendrier dans une vidéo, vous verrez bien. En tout cas, j'ai rassemblé dans le petit sac ici les cadeaux du jour numéro 2. Comme ça, ça nous évite de chercher et de perdre du temps. Alors, je vais faire comme le premier jour et garder les deux cadeaux des calendriers que j'ai achetés pour la fin. Et je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu de mes copines. Alors, chez Nancy, il n'y a pas totalement de surprise parce que j'ai pioché dans son petit bac, là, comme je vous avais expliqué. Ce n'est pas emballé, mais regardez la super surprise que j'ai. Ça tombe bien parce que cette année, j'ai pas acheté beaucoup de choses Action Noël. Donc, je ne l'avais pas, ce classeur d'embossage. Donc, merci beaucoup Nancy de l'avoir acheté. C'est vraiment super gentil. Donc, merci beaucoup. Alors, je le dépose à côté de moi. Ensuite, ici, le numéro 2, c'est une enveloppe de la part de Laurence et de Mr. Lama, son fils. Alors, je vais regarder. Alors déjà, la petite étiquette ici, je vais la garder. Je vous ai dit que je gardais pas mal de choses pour redécorer. Alors, soit un album, soit mon Daily December. Alors, attention, j'ouvre. Ça fait un petit peu de bruit. Et qu'est-ce que j'ai à l'intérieur aujourd'hui? Oh, super beau. Des badges. Ils sont magnifiques. Franchement, j'espère que vous les voyez bien avec toutes les lumières. J'ai essayé d'avoir quand même une bonne lumière parce qu'à cette heure-ci, là, il est presque 7h du soir. Super, franchement, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu également? Alors, ici, c'est la pochette de la part de Valérie. Alors, donc voilà, le numéro 2. Je vous montre que je n'ai pas triché et que c'est bien le bon numéro. La pochette est bien remplie, hein. Regardez ça, c'est pas mal. Alors, attention. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle m'a tout mis? Alors, je tire et je vous montre. Alors, j'ai reçu des chocolats. Et avec les chocolats, j'ai ici... Alors, hier aussi, je n'avais pas vu qu'avec les chocolats, j'avais reçu un petit mot. Ici, c'est... Attendez, hein. Rendre chaque instant inoubliable. J'aime vraiment beaucoup. Vous risquez de retrouver ces petits mots en bois dans mon journal, on va l'appeler, le journal de décembre. Donc c'est une super bonne idée, les chocolats je vais les rajouter, j'ai fait un sachet chocolat comme ça je peux aller piocher et comme je vous ai dit je vais partager également donc c'est super. Et alors regardez, ce sont des emballages cadeaux, ils sont magnifiques, donc elle m'en a mis deux paquets complets, super chouette, franchement ça va servir. J'ai un endroit maintenant où je mets toutes mes pochettes, notamment quand j'ai fait le calendrier j'ai été piocher dedans. Surtout des sachets craft, mais là, ça servira pour d'autres occasions. Donc, merci beaucoup Valérie, c'est génial. Et ici, tes petits sachets, ils sont vraiment top. Hein. Ils vont resservir, c'est certain. Donc, merci, merci, merci. Alors, ah oui, on a envie de dire merci. Hein. Quand on est gâté comme ça, ça fait plaisir. Et comme je l'ai peut-être déjà dit, mais sûrement pas assez, c'est surtout le geste. Savoir que mes copines ont pensé à moi. Et ben voilà, ça fait plaisir. C'est pas la quantité, c'est vraiment le fait... d'avoir pensé à moi, ça me fait... C'est comme quand vous m'envoyez des courriers, ça me touche énormément. Alors, ici le numéro 2, que je ne vais pas déchirer, parce que j'ai déjà gardé le numéro 1, peut-être pour mon journal de décembre. Alors, regardez, j'ai ouvert la pochette, mais je n'ai pas encore glissé ma main dedans. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui? Alors, attendez, parce qu'il y a quelque chose encore au fond de la pochette. Voilà, là, je vous dis pas les chocolats, les chocolats, les chocolats. Donc, regardez, j'ai des bonbons, des Haribo, j'ai des pièces en chocolat. Donc, on va mettre ça avec les chocolats. Et il y a une petite pochette surprise ici. Qu'est-ce que c'est? C'est déjà dans le mauvais sens. Oh, se relaxer. Oh, c'est génial. Donc, en bois comme ça, assez fin. Merci beaucoup, Monique. C'est génial. Super bonne idée de cadeau. Se relaxer et je garde la petite pochette avec le numéro. Merci les copines, merci, vous m'avez gâtée, vous avez pensé à moi et je vous en remercie. Alors maintenant, il y a les deux cadeaux que j'ai achetés, puisque c'est dans des calendriers que je me... Ah non, attendez, que je me suis offert un des deux calendriers et l'autre calendrier, le Saga Post-Scrap, c'est de la part de mon mari.
Alors, dans la pochette ici numéro 2, de nouveau pochette que je vais récupérer, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je découvre avec vous un cachet. Attendez, je veux pas qu'il y ait trop de reflets. Cornice. Attendez, vous savez quoi? Je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Comme ça, je découvre également. Il est marqué couture création. Et qu'est-ce que ça donne? Ça permet de faire des belles bordures. Donc, regardez le cachet que j'ai reçu. Pas mal du tout. Et alors, le dernier, et je vous avoue que je suis chaque fois assez impatiente parce que je suis fan de Dice et que je sais que les Dice ici, Saga Postcrap, c'est des exclusivités. Je ne voulais pas passer à côté. Donc, j'ai et le Dice. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Wow! C'est super joli. Regardez. Alors, si je rassemble en plusieurs jours les vidéos, j'essaierai de vous faire les découpes et vous les montrer à la fin de la vidéo. Ça peut être sympa. Et comme ça, en plus, ça m'obligera à faire des découpes et à les mettre, voilà, pour les utiliser rapidement. Et alors, comme j'ai pris le premium, il y a également deux badges ensemble. Ouais, vous avez mes petites lumières, mais voilà, c'est ça où vous ne voyez rien du tout. Donc, vous avez ensemble. Et vous avez également ici, alors là, je ne sais pas s'il y a un sens. Bon, il y a pas mal de végétation et tout ça, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment un sens pour le montrer. Par contre, j'ai juste quand même essayé quelque chose. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais ça permettra de savoir pour les autres jours si je le mets comme ça sur un fond blanc. Est-ce que vous voyez mieux? Peut-être un petit peu. Ouais. À réfléchir. En tout cas, je suis super contente de mes cadeaux. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 3 décembre et nous pouvons continuer à ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, précédemment, je ne vous avais pas montré ce qu'il y avait dans le calendrier chocolat de ma maman, mais cette fois-ci, j'ai envie de vous montrer. Donc, il y a une petite case numéro 3 et c'est rempli de pralines. J'adore les pralines blanches. Je pense que dès que j'ai fini la vidéo, je vais me faire un petit chocolat chaud et prendre cette praline. Alors, j'ai tout préparé, comme précédemment, dans le petit sac pour éviter de chercher. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà découvert en piochant dans le calendrier de Nancy. Donc, Nancy m'a offert de chez Wibra des stickers de Noël. Voilà, merci beaucoup Nancy. Et il y avait avec accroché des paperclips en forme de croix. Ça sert toujours pour marquer une page, pour accrocher des papiers ensemble. Alors ensuite, je vais prendre le cadeau numéro 3 de Monique. Et de nouveau, je vais essayer de ne pas déchirer l'autocollant parce que je me demande si ça ne va pas être les numéros que je vais utiliser dans mon Daily December. Oui, je dis parfois Daily December, December Daily. Je me trompe parfois. Alors, j'ouvre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je sens des chocolats et des bonbons. Je pense que ce n'est pas le mois où on va faire régime. Et pièces en chocolat. Et j'ai également... Oh, il est super beau. J'adore ce bic. Je l'ai déjà, je pense, en or. Mais en mauve, je ne l'ai pas. Et je me demande si Sarah ne l'a pas en bleu. Il est magnifique. Très, très joli, comme ça, avec comme des petits Swarovski, des petits diamants à l'intérieur. C'est super joli. Donc, merci beaucoup, Monique. Ça me plaît énormément. Ça sert toujours les bics. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans mon sachet? De la part de Laurence et de Mister Lama, j'ai une enveloppe comme ça, avec marqué 3. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de la grande enveloppe? Surprise. J'adore ces moments de surprise et de découverte. Là, donc, on est mardi après-midi. Il est aux environs de 3h. Et les enfants ne sont pas encore rentrés de l'école. Donc, je vais vite faire un petit détour par la maison pour avoir un petit moment à moi pour filmer quand il ne fait pas trop noir. Ah, très sympa. Donc, c'est du double face, 3 mm. Et généralement, moi, j'ai des énormes rouleaux. Et ça, c'est vraiment très, très, très pratique. Pour quand on va en atelier ou quand on veut que ça prenne moins de place, c'est vraiment assez sympa. C'est du 3 mm et il y en a quand même 5 mètres. Hein. Pourtant, voilà, c'est super, c'est génial, ça sert et ça fait toujours plaisir. Donc, merci beaucoup Mister Lama et Laurence pour ce petit cadeau. Et puis, qu'est-ce que j'ai? Dans quel ordre? Ah oui, je laisse pour la fin les calendriers que j'ai achetés.
Donc, cette grande pochette, c'est de Valérie. Valérie qui est pour l'instant au soleil. Elle m'envoie de temps en temps, enfin presque tous les jours une photo, mais de temps en temps, des gros soleils, la plage, la piscine. Voilà, je dis pas que ça donne envie, parce que j'aime bien aussi le climat ici, mais en tout cas, ça a un goût de vacances, et les vacances... voilà, moi j'aimerais bien être en vacances d'hiver, là, pour l'instant. Et puis après, oui, le soleil, pourquoi pas. Mais j'aime bien la Belgique, parce que justement, on a un peu toutes les saisons. Mais voilà, mais la pluie, je m'en passerai bien. Allez, trêve de blabla. D'abord, elle m'a mis plein de chocolat, comme précédemment, et elle m'a mis le petit mot « moment précieux ». Ils sont super bien, ces petits mots. Ça vient de chez Saga Postscrap. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, attendez, c'est un truc tout mou. J'ai pas encore vu ce que c'était. Alors, oh, c'est génial! Regardez, cri-cri bricot. Donc, une serviette, une petite serviette. Et alors, très pratique ici, on peut accrocher. Et il est marqué cri-cri bricot. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Valérie. C'est très très chouette, les objets personnalisés comme ça. Eh bien, ça me fait très très plaisir, c'est super. Eh bien, voilà, encore un super moment. Oh, j'ai vraiment pas hâte que le mois de décembre se termine, ces petits moments comme ça de découverte. Alors, je le rappelle encore, hein, c'est pas pour la valeur des cadeaux, c'est pas pour... C'est vraiment parce que ça fait super plaisir que d'autres personnes aient pensé à moi. Franchement, moi, ça me touche. J'ai fait pareil pour le plus de monde possible. Parfois, c'était un calendrier de l'Avent. Parfois, c'est une petite carte, mais qui n'est pas encore postée. Je suis en train de faire ça maintenant. Évidemment, je ne pourrais pas faire des envois à tout le monde, malheureusement. C'est pour ça que je fais des vidéos pour partager, pour partager avec vous ce que j'aime, ce que je reçois pour que ça vous inspire, les différents trucs que j'ai appris, si je peux vous les apprendre également, ça me fait très très plaisir. C'est ça aussi le partage, quand on ne peut pas envoyer à tout le monde, on partage d'une autre façon, moi c'est ce que je fais avec mes vidéos, et merci de me suivre, ça fait vraiment super plaisir. Merci encore à mes scrap copines, scrap amies de m'avoir gâtée. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai reçu des deux calendriers que nous avons achetés. Un de la part de mon mari et un que je me suis offert. Donc voilà, petite pochette de nouveau qui va resservir après. Je trouve ça super mignon et avec des petits dots comme ça dessus. Alors, j'ouvre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, une Versa magique. Oh, j'adore la couleur. J'ai déjà certaines Versa magiques, mais celle-là ne me dit rien. Et turquoise. Oui, le turquoise, c'est vraiment une couleur que j'adore. Franchement, super contente. Alors, et tout dernier paquet pour aujourd'hui, le Saga Postscrap. Donc, j'ai une petite pochette. Je vais avoir à l'intérieur un dice et une autre surprise. Alors, qu'est-ce que c'est? Mélodie nous a sûrement encore fait des merveilles. Alors, quelque chose de métallique. Alors, voici le dice. Alors, de nouveau, ce qui est chaque fois difficile, c'est de savoir ce qu'il est écrit. Alors, joyeux, et je pense que c'est instant. Je pense qu'il est noté instant joyeux. Mais de nouveau, ça va être la vraie découverte, c'est quand je vais mouliner. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que, comme je vous l'avais dit précédemment, je mettrai une photo à la fin de la vidéo. Et de toute façon, je vous les remontrerai au moment où je vais faire mon Daily December, parce que je vais les utiliser. Alors, je vous ai dit que c'était un dice et une autre surprise. Et ici, oh, super joli, regardez. En famille. Ah, ça... C'est super, ça va servir. Je ne sais pas encore si je vais le mettre ici en décembre dans l'album que je vais faire ou si je vais l'utiliser sur un autre album. De toute façon, ça va servir. Et bien voilà, je suis encore super contente d'avoir passé ce moment avec vous. Ça fait du bien, même quand la journée n'est pas parfaite. Et bien on se dit, voilà, je vais retourner à la maison, je vais filmer ma vidéo, je vais partager ça avec les scrap copines. Et puis ça fait plaisir, ça fait franchement plaisir, ça... Comment dire, je suis vraiment touchée qu'on ait pensé à moi. Je remercie encore tout le monde et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous !